Au Djéné, la capitale du Dengélé. Au centre-ville, la gare qui relie Samatigila, une quarantaine de kilomètres vers l'ouest, à Daloa, 183 kilomètres vers le sud. Daloa, la destination de ce mini-car qui vient d'arriver de Samatigila. Un des rares d'ailleurs à emprunter le tronçon Samatigila-Odiené et pour cause. Au niveau de Odiené, sur la lasse d'abord, ici Samatigila, ou soit ici Minia, on a oublié de transporter les gens à Kia parce que les voies ne sont pas bonnes. Voilà. Surtout même en saison de pluie, les petits camions ne peuvent pas, tels que les Massa, ou les personnels ne peuvent plus partir. Bon, c'est de Kimirila-Samatigila qui ne va pas parce que le pont là, les gars n'arrivent pas à ranger. Voici l'objet des cauchemars des transporteurs et autres usagers de la route dans la région. Un pont, ou ce qu'il en reste, car fortement endommagé depuis 2002. Conséquence, il faut faire un détour par le fond de la rivière asséchée en contrebas. Et là encore, seulement en saison sèche, car lorsqu'il pleut, l'exercice devient difficile. Une fois la saison pluvieuse, c'est seulement un peu plus, on est coupé de la Côte d'Ivoire. On est coupé de la Côte d'Ivoire. Il faut passer d'abord dans d'autres pays avant, tel que le pays voisin à côté, avant de venir à Samatigila. Vraiment, aidez-nous aussi les autorités pour nous aider. À Samatigila, zone d'activité commerciale à l'origine, tout tourne au ralenti du fait de cette situation. Baba Kone, comme bien d'habitants ici, préfère pour les longs trajets utiliser sa moto. On préfère la moto puisqu'il n'y a pas de camion. À cause de l'état de la route, le camion nous dévie. Donc je préfère prendre ma moto, ou soit le jour que je n'ai pas pris de carburant, je prends mon vélo et je m'en vais au Djéné. Ah, pourtant, on habite à 40 km au Djéné. Des efforts individuels et dérisoires, les regards sont plutôt tournés vers les autorités. Depuis la crise jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de profilage ni de reprofilage de nos routes-là. En principe, c'est le programme Coton qui permettait de profiler ces routes-là. Bon, depuis qu'il y a eu la crise, il y a eu un léger profilage à la veille de l'arrivée du président sur les axes des départements qu'il devrait visiter. En dehors de ça, nous essayons de recenser à les services techniques portés à la connaissance de l'administration. Le programme national de développement, dont le DG même est venu expliquer, je crois que c'est le seul espoir. Le PND, le Plan National de Développement, qui, rappelons-le, centralise toutes les interventions du gouvernement au profit des populations pour la période 2012-2015.